Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à nous? Par une collègue du boulot, en fait. D'accord, donc par un contact. Par un contact. Vous avez fait des recherches sur Internet? J'avais vu déjà Monsieur Chabi. J'avais déjà vu à la télé. Mais ça fait au moins 4 ans, 4-5 ans. Et ça m'avait donné, il y a longtemps que je voulais le faire. Ah, quand même, c'est quelque chose que vous... Oui, qu'il y a très très longtemps que je voulais le faire. Mais j'appréhendais, je ne connaissais pas trop. Il y avait une mauvaise réputation par rapport à ça aussi. En France, il y a eu beaucoup de critiques, de personnes qui étaient loupées et tout. Donc, voilà. Ah, on veut dire les fameux ratés de la chirurgie esthétique. Ratés, voilà. Donc, mais particulièrement, qui vise particulièrement la Tunisie? Non, 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 en France. Non, c'est parce que la Tunisie, je ne connaissais pas du tout. D'accord, donc vous voulez dire qu'il y avait eu pas mal de remous autour de ratés de la chirurgie esthétique. Voilà. D'accord. Et après, quand ma collègue est venue, donc voilà, qui m'a fait... Donc ça veut dire que c'est une collègue qui vous a parlé de ce projet, parce qu'en général, les gens n'en parlent pas tellement. Non. Elle vous a raconté qu'elle partait en Tunisie, c'est ça? Voilà. Et puis je lui dis, bon, mais j'ai rien dit. Puis elle est venue, je lui dis, tu feras voir. Elle est venue à la maison et j'étais bluffée. Scotchée. Ah ouais, franchement. J'ai dit, il faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Ça faisait combien de temps que vous y pensiez? Pour le faire, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, vous imaginez quand même. Et depuis 20 ans, qu'est-ce qui vous retient? C'est la peur de quoi? La télé, on nous a montré beaucoup d'émissions. Hein. Comme quoi, vous voyez à quel point c'est diabolisé. Hein. La chirurgie est encore, la chirurgie esthétique, on a beau être en 2017, elle est encore diabolisée. Tout à fait. Et ça m'a freiné pendant un certain temps, jusqu'à ce que ma collègue m'en parle, en fait. Ouais, là, vous êtes dit, allez, hop. Et là, j'ai dit, hop, c'est trop beau, c'est magnifique. Et puis, ouais, franchement, je suis restée scotchée. Vous n'imaginiez pas que... Vous n'aviez jamais vu, en fait, de plastie sur des amis à vous ou, non, non. Non, non, j'imagine. Vous avez été surprise, justement, par ce qu'on arrive à obtenir, par ce qu'on arrive à faire? Oui, oui, tout à fait. Ah oui, franchement, oui. Alors, vous l'avez vue au bout de combien de temps? Elle avait été opérée combien de temps auparavant? Je l'ai vue au bout de... pas tout à fait un an. Ah d'accord, donc elle avait un beau résultat naturel. Ah ouais. D'accord, donc le résultat était bien définitif, puisque vous savez qu'au départ, c'est assez inflammatoire, c'est tendu. Donc ça, c'est d'accord. Donc vous avez eu une vision du résultat qui était très abouti. Ouais, exactement. Et là, alors vous vous souvenez de la première fois où on s'est vu ou pas? Oui. Vous étiez, c'était avant votre intervention, vous étiez extrêmement stressée. Ouais, c'est un peu. Et est-ce que vous vous souvenez de votre retour du bloc? Non, pas du tout. Rien, même pas pour partir. Je me souviens pas, c'est ce que j'ai dit à ma fille. Je me souviens rien. Et est-ce que vous avez eu mal lorsque vous vous êtes réveillée? Est-ce que vous avez eu des nausées? Non, est-ce pas que... du tout. Rien. Rien du tout. Comme quoi, hein? Ouais, franchement, non. Donc vous êtes contente d'être, d'avoir suivi votre envie d'y a 20 ans. Ouais. Est-ce que vous êtes heureuse de l'avoir fait? Ah oui, franchement. Et je ne réalise pas encore. Hein. Je ne réalise pas parce que bon, c'est encore tout frais. Hein. Bah oui, c'est ça. Mais je ne réalise pas encore. Vous êtes satisfaite du résultat, même si c'est un résultat qui est évidemment très loin de ce que vous aurez. Mais... Ah oui, tout à fait. Bon, et par ailleurs, sur le reste, est-ce que vous avez été bien accueillie? Est-ce que vous êtes contente de la prise en charge de... On est vraiment coucounés. C'est ce que je disais, on est coucounés du début quand on vient de chercher à l'aéroport avec Amir. Et ça, Mounir, c'est pas grave. Parce que je suis Mounir, mais en fait, tout démarre de lui en fait. Oui. Mounir, il nous prend, voilà, il nous coucou. Oui, c'est vrai, vraiment, il est très chaleureux. Très attentionné et tout, ouais, c'est vrai. Puis après, quand on arrive ici, franchement, on est pris, on est bien coucouné, on est à notre écoute, tout le monde est attentionné. Est-ce qu'on est suffisamment présent auprès de vous? Attentionné, oui. Franchement, on est rassuré, hein. Bon, c'est le plus important. Même si on a cette petite angoisse, mais quand même, on est rassuré, hein. Franchement. Et une fois que vous êtes parti à l'hôtel, tout s'est bien passé? Tout à fait, bien, super, à l'hôtel, génial aussi, pas de problème. Vous partez ravie en tout cas? Ah oui, je repars ravie. Ben, c'est notre plus grande satisfaction, figurez-vous.
Donc vous nous donnerez des nouvelles, hein? Oui, pas de problème. Et vous nous envoyez des photos d'ici un mois et demi, deux mois, pour qu'on ait une vision, une idée du résultat. D'accord. D'accord. Promis. À très bientôt, en tous les cas. Au revoir. Au revoir.